Bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne YouTube, La Mère des Garçons TV. Autrement dit, Moussouki ici. Alors aujourd'hui, je vous amène avec une nouvelle vidéo. Alors, ma vidéo aujourd'hui, je suis sur le chemin. Je m'en vais à Boucherville, chemin de la Savane. Vous allez me demander où tu vas faire quoi? Bon, accueillir ma pomme. Donc, je m'en vais accueillir des pommes. Aujourd'hui, c'est la journée pédagogique. Donc, j'ai décidé de faire une journée avec mes enfants. Donc, on y va en famille. Accueillir des pommes. Chemin de la Savane. C'est là qu'on y va. 8000 chemin de la Savane. Accueillir ma pomme. Ça fait sortir en famille. Voilà, pour le moment, regarde, on s'est pogné sur un trafic. On est présentement dans un trafic, mais on attend toujours. On va arriver, c'est 47 minutes. En fait, c'est 47 minutes de Montréal. Mais j'ai toujours dans le Montréal, mais dans une petite ville, dans un petit banlieue là. C'est 47 minutes de Montréal. Justement, on se retrouve dans un trafic, mais c'est pas grave, on va y arriver. Avec le trafic, donc c'est à peu près une heure du temps. Notre trafic est à peu près une heure du temps. Mais sans trafic, c'est 47 minutes. Toujours en route. Ralentissement de la circulation dans 50 mètres. Prévoyez un retard de 5 minutes. Vous êtes toujours sur l'itinéraire le plus rapide. Ça, vous avez entendu? Le GPS nous dit qu'on est en retard. On va être en retard de 5 minutes. Parce qu'il y a un ralentissement. Comme j'ai dit tantôt, il y a un trafic dans le bouchon. Il y a un gros trafic. Mais pas vraiment un gros trafic, mais quand même. On avance, mais on avance doucement. Fait qu'on sera en retard de 5 minutes. Ralentissement de 5 minutes. Pourquoi? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe en avant. Tebeloni et les Calibosso n'a pas sauté, donc on ne sait pas pourquoi tous en ralentissement bruyant. Tu as évité qu'est-ce qui s'est passé. Grand prêtre perd toujours la volant. Pour grand prêtre mère ngaine na autoroute na zoana onté, je prends pas encore l'autoroute, en fait, faut pas se moquer de moi. Je suis pas encore prête pour l'autoroute. Faut être prête pour rentrer dans une autoroute. Alors grand prêtre père et sa messani. Donc lui était déjà habitué à rentrer sur l'autoroute, moi pas encore. Voilà.
T'es rendu où, Marisol? Ouais. T'es rendu où? Là, je suis dans le trafic. Toi aussi, t'es dans le trafic? Nous aussi, on est dans le trafic. T'as fait un demi-tour, tu sais? T'as fait un demi-tour. Nous, on n'a pas fait un demi-tour. On a pris. On a utilisé le GPS finalement. Ah non, mais je suis revenue sur l'autoroute maintenant. Ah, mais c'est ça. T'as fait un demi-tour. Nous, on a pris l'autoroute tout de suite. Ok, moi, je suis sur le chemin qu'il me disait là. Non. Pas grave, on est pogné sur le trafic. Ouais. Ok. À tantôt. Bye. 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 Là, Saint-Bruno. Ah, c'est Saint-Bruno. La ville de Saint-Bruno. Toujours à Montréal, mais un petit banlieue. J'ai toujours dit, Montréal, c'est grand, hein, franchement. Montréal, c'est grand, grand, grand. Il y a des petits banlieues dans le Montréal. Donc, dans Montréal, on trouve des petits banlieues. Saint-Bruno, Longueuil, Boucherville. Parce que là, nous, on s'en va à Boucherville, chemin de la savane. Boucherville, plein de trucs comme ça. Donc, c'est ça, quoi. Mais je voulais juste dire une petite affaire que je voulais. J'ai remarqué, il y a plein de monde qui rentre sur mon YouTube. Beaucoup de YouTube, ils font que regarder les vidéos, même pas une minute, puis c'est tout. Donc, beaucoup de YouTube, tu as la vidéo, même pas une minute. Tu as même pas une minute, puis tu fais juste un commentaire, puis tu pars. C'est pas bien. Quand vous rentrez sur YouTube de quelqu'un, quand même, prenez au moins la peine. Même si tu ne vas pas regarder ma vidéo, là, excuse-moi, mais prends la peine, laisse la vidéo passer au moins au complet. Si tu ne vas pas regarder, c'est autant, tu as les canons. Au lieu que tu as pour une minute, là. Laisse la vidéo passer. Tu veux juste regarder la vidéo une minute, même des fois même deux secondes. Puis après ça, tu mets un commentaire. Ok, c'est bien de mettre un commentaire, c'est bien de liker, mais. Et ça paye bien pour toutes les vidéos tu n'as pas sur mon écosse occupé si quand ces vidéos tellement elle est canon on casse et ça m'a bien pour ça aide aussi nous on ta vidéo qu'à une minute même pas des fois même pas une minute des fois même 30 secondes je vois tout ça là non mon agneau soit non c'est pas encourageant en fait hein les amis m'a décourageant eh bien t'es tous encouragés tous soutenons soutenons nous vivants pour te soutenir car sur votre bazar soutenir. Quand je ne serai plus là, vous allez commencer à dire oh, une youtubeuse là, elle est soudée. Mais non. Nous vivons maintenant, c'est le moment. C'est le moment. Là, le trafic est si lourd comme qu'on roule, c'est comme normal. C'est normal. Donc,
on est presque arrivé, on est sur le chemin de la savane là. On arrive bientôt. Dans 1 minute, on va arriver. On a vécu comme ça, à Zamba, à Bilanga, donc on a un état à Bilanga Masango, puisque donc on a Bilanga Pomme. C'est ça. Dans 500 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. C'est ça, on est arrivé à destination de la piscine en route. Vous allez voir comment on va faire ça. Donc, c'est ça. Okay. Okay. Ouverture depuis le 5 septembre. Là, on est arrivé à notre destination. On est le quoi, moi, village, hein. Vraiment, bon, on a des banlieues, comme je dis tantôt. Des banlieues. Du côté où on a parqué voiture, on était déjà arrivé, on n'avait pas parqué l'auto. Parce qu'on attendait du monde qui va entrer. On a parqué tombé là, dans la barreau. Mais là, on a commis. Là, on a parqué, donc on a parqué. Moi-même, pour Kumba, même Prince, c'est un mabanga, mabanga, en fait. Fait que tout, on a parqué la voiture, là, on va y aller. Cueillir des pommes, les amis! C'est le moment! Le moment de cueillir des pommes. Ouais, c'est le moment de cueillir des pommes. On est arrivé. On était avec elle sur le chemin, regarde. Elle s'est perdue. Hello. Regarde. Elle fait des grimaces. Elle fait bien des grimaces. Bon, on est arrivé. Là, on va commencer. Nous, on a gagné! Yo! Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as rien perdu, Dani? Ta clé? Merci. Maman, rien, tiens, je suis la seule qui t'a dit merci là, puis je mérite d'avoir un des rien après. Des quoi? Je suis la seule qui t'a dit merci, je mérite d'avoir un des rien. Quoi, rien? Où ça? Jason! Jason! Les enfants sont bien contents, comme vous voyez. Manabazo, c'est Pella. Mais c'est Pella, comme on ne sait jamais. Voilà, maintenant tu as commis qu'au bouc, hein, commence à cueillir des pommes, voilà.
grand prêtre père à Mati, ça c'est papa, hein, à Mati, à Bande Bouka, à Pomme. Puis les enfants sont là, on le voit, à Pomme, Mango, Yango. Voilà. C'est ta pomme. Babouka, quand on ne sait jamais. La pomme. Maman, il y a juste là. Non, si un trou, on prend pas. On va prendre pour manger tout de suite, on en prend. Quoi? Pour changer. C'est dire qu'on est venu faire quoi ici? Quoi? On est venu faire quoi ici? Quoi? Maman, tiens! Tu sais pas qu'est-ce qu'on est venu faire? Non. Coudon! On est venu cueillir des bananes. Mais non, voyons, donc c'est pas des bananes. On est venu faire quoi ici? Où est New York? Oh my god, tu m'énerves. Ok, descends. Non. Ça, c'est trop petit, Jacob. Jacob, c'est dit que c'est rien. On est venu ici, Jacob. Rien. Hein, c'est... Jacob, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Maman, je sais pas. Tu sais pas? Arrête de me niaiser que tu sais pas, là. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Maman, il y a une femme. Jaden, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Ah, ça, c'est pas bon. Ça, garde ça pour toi. On est ici pour... prendre les pommes. Bravo, Jaden. Puis Jacob, lui, c'est rien. T'as pas honte, hein, Jacob? Ouais, mais... Oh! On le sait. Bon, merci tous les abonnés de la Mère des Garçons TV. Merci. Vous m'avez suivi du commencement, le début jusqu'à la fin. Alors, merci à tous qui ont suivi la vidéo. Merci d'avoir regardé notre balandi vidéo.